Et concrètement, pratiquement, qu'est-ce que la population doit faire? Je répondais à la question. La population congolaise a toujours été une population courageuse et elle a toujours été découragée par les églises, les pasteurs, etc. La population doit se défendre. Je ne parle pas de se prendre en charge. C'est tellement euphémistique. La population doit s'attaquer aux institutions, si les institutions existent. Nous devons brûler le Parlement. Nous devons nous attaquer au Sénat, brûler le Sénat. Nous devons nous attaquer à l'élite politicienne, entrer dans leur maison et les tuer. Nous devons nous attaquer aux églises, parce que ce sont ces organisations qui nous distraient. Ces gens ne sont pas de notre côté. Et nous, nous sommes les Bantous, nous sommes les Congolais. L'Église catholique, c'est l'Église qui y a aidé la colonisation à pouvoir nous occuper et nous maintenir dans la situation actuelle, la situation de naïveté, la situation de paresse, de fainéantise, la situation de clémence. Nous ne devons pas être cléments vis-à-vis des gens qui nous font du mal. La Bible que vous lisez, que nous lisons, est claire. Œil pour œil, dent pour dent. Nous devons appliquer la loi d'Italion. Si la Bible à laquelle vous croyez reconnaît la légitime défense, parce que œil pour œil, dent pour dent, c'est une expression de légitime défense. Et donc, c'est reconnu par le Dieu que vous priez, par Jésus-Christ que vous honorez, que vous priez, c'est reconnu dans la Bible. On n'a pas à attendre l'appel de la Cinco. Les gens de la Cinco, ce sont des corrompus. Ce sont des gens qui touchent l'argent. Ce sont des gens qui ont des salaires. Ce sont des gens qui ont des femmes. Ce sont des gens qui ont des enfants. Ce sont des gens qui sont irresponsables, qui engrossent les femmes et qui ne s'occupent pas des femmes qu'ils ont engrossées. L'exemple, c'est ce qui est dans la Bible. Le Saint-Esprit vient la nuit, il rampe, il va rencontrer Marie dans son lit avec son mari, qu'on dit qu'il était vieux, Joseph. Peut-être qu'ils veulent dire que le pénis de Jésus ne marchait pas, de Joseph ne marchait pas. Alors, le Saint-Esprit est venu, il a rampé et il est allé violer la femme de quelqu'un. Et on vous dit, c'était pas, il était envoyé, c'est l'Esprit de Dieu qui était venu engrosser Marie. Comment l'Esprit de Dieu est venu engrosser la femme de quelqu'un? Comment ça? Il est venu embrasser, engrosser la femme de quelqu'un qui dort avec son mari dans les lits. Et après avoir engrossé Marie, le Saint-Esprit a disparu. Il ne s'est jamais occupé d'élever l'enfant Jésus. Marie s'est battue elle-même avec son vieillard de mari, soi-disant Joseph, pour élever l'enfant qui deviendra la superstar aujourd'hui que vous honorez. C'est le même comportement avec les évêques. Ils engrossent les femmes, ils violent les femmes. Et après cela, ils ne viennent pas dire à la population que c'est moi qui suis le mari de cette femme. Alors, comment voulez-vous croire aux gens qui sont hypocrites et irresponsables? Des gens qui sont des violeurs de femmes à travers le monde. Il n'y a pas que moi seul qui le dis, c'est dans les journaux, c'est documenté. Et il y a aujourd'hui des enfants à travers le monde qui cherchent leur père, leur mère, qui sont sortis du Vatican. Alors, comment pouvez-vous avoir confiance à une bande de violeurs de femmes, de violeurs de nos mamans, de violeurs de nos soeurs et de nos enfants? Ils créent des femmes légionnaires, femmes ceci et cela. Alors que ce sont leurs propres femmes, ils désignent une sorte d'accoutrement, alors que ce sont des femmes qui ont les sentiments comme tout le monde. Dans cette interview, nous vous montrons une fête d'une sœur en Christ qui fêtait ses 30 ou 35 ans, mais c'est une femme comme toute autre. Donc, la population congolaise doit se révolter, prendre des armes, attaquer les Rwandais, attaquer l'élite politique, attaquer le Parlement, brûler le Parlement, brûler le Sénat,
s'attaquer aux ministres, brûler la Senco, les églises, et on verra ce qui va arriver. CongoDialogue.com. Nous sommes dans les danses, nous sommes dans la musique, nous inventons des danses tous les jours, c'est pas mal. Fimbo, Fimbo, Mpunda, Mpunda, et ceci et cela, nous inventons des danses tous les jours. Nous n'inventons pas de mesures de prévoyance pour gérer notre pays. Et c'est là où proviendra la balkanisation du pays, non seulement par l'envahisseur de l'extérieur, même entre nous-mêmes. J'en avais déjà parlé une fois, où les gens en auront marre de cette élite musicienne politicaïeuse nichée à Kinshasa, qui ne voit pas ce qui se passe, la souffrance des gens dans les milieux ruraux, dans les provinces, et qui croient que le Congo n'est détenu que par eux et seulement par eux. Nous n'avons pas mis et nous ne mettons pas de mesures de la gestion de la chose. Nous venons, professeurs d'université, constitutionnalistes, docteurs en droit, avocats, juges, ingénieurs, Omuninga na Zaboué. Moi, j'ai étudié à Bruxelles, j'ai étudié à l'Université libre de moi, je viens de la Sorbonne. Hein. Vous savez, moi, je suis général de Saint-Cyr. On n'a pas besoin de vos diplômes. On a besoin de la gestion de la chose publique. Et quand nous allons à l'école, ce n'est pas seulement, comme je l'ai dit plusieurs fois, nous emparer des diplômes, on revient des universités bardées de diplômes, alors qu'on est immoral, alors qu'on est voleur, alors qu'on est menteur, alors qu'on est malhonnête, alors qu'on ne peut pas créer le bonheur collectif, alors qu'on n'est pas solidaire, alors qu'on ne peut pas partager avec les autres, alors qu'on ne peut pas se sacrifier comme Lumumba, comme Tchebeya, comme Arma Tungulu. On ne peut pas se sacrifier comme les militaires congolais qui sont tués au jour le jour. On ne peut pas se sacrifier. Alors, le Parti national congolais amène les solutions suivantes. De un, le Congolais, suivez-moi. Nous devons créer une commission à l'exemple de ce qu'aurait été la conférence nationale souveraine qui avait été sabotée par les supporters d'Étienne Tshisekedi. Tous et bienvenue. Moi, c'est Josué Bouloir. Bienvenue dans votre émission Espace Dialogue, là où la réflexion et la connaissance se rencontrent. Nous voulons vous remercier, premièrement, de votre attention à donner dans nos prochaines, plutôt dans nos previous épisodes. Et je crois que à chaque fois que nous venons dans le petit écran, il y a toujours quelque chose que vous apprenez. Et l'Espace Dialogue, c'est une plateforme où nous vous invitons aussi, si vous avez des commentaires à faire, des questions à poser, des suggestions, vous êtes la bienvenue. Je profite pour dire aussi un grand merci à tous nos amis internautes, tous nos téléspectateurs. Là, je pense à M. Cyril, l'honorable à Paris. Je pense à M. Bob qui est aux États-Unis. Il a vraiment écrit, il a commenté à l'émission interview précédente qu'on a eue avec le professeur. Il a dit courage, courage, courage. Professeur, qu'il ait le coup de chapeau. Alors, il a voulu même payer le billet pour quitter les États-Unis pour venir s'asseoir ensemble avec M. Kilele à cause de ses arguments, à cause de ses raisonnements, à cause de ses instructions, du message qu'il est tenté de donner. Alors, aujourd'hui encore, nous avons quelques sujets que nous aimerons partager avec vous. Comme vous savez, le souci est que la RDC rentre à l'état démocratique, n'est-ce pas? Pour cela, nous avons besoin des enseignants, des politiciens qui apportent des informations sur et révolutionnaire, s'il faut le dire. Alors, sans plus tarder, je vais recevoir mon invité. Je suis toujours content lorsque, comme je vous ai dit, à chaque fois que je tape la porte, je frappe. Il est toujours disposé, anytime, anywhere. Nous sommes en Afrique du Sud, à Johannesburg, spécialement dans ce quartier ici, Parkton, et dans ce beau cadre de Sunny Park Hotel, qui nous reçoit aujourd'hui avec le président national congolais, son Excellence, Monsieur Kilele. Bienvenue, Monsieur Kilele. Merci beaucoup, merci. Sur ce plateau. Merci.
Merci encore pour votre temps. Nous sommes toujours honorés de votre disponibilité, quoique vous êtes trop pris avec certaines occupations, mais vous nous donnez toujours votre quelques 30, une heure du temps pour parler à la population congolaise qui se trouve à la diaspora ici, qui est à la République démocratique du Congo. Monsieur Kilele, avant que nous puissions entrer dans le vif du sujet de ce soir ou de ce matin, tout dépend de l'heure que les téléspectateurs suivent, il y a un commentaire qu'un de nos téléspectateurs venant de Paris, M. Massoudi, c'est un honorable, il dit à M. Kilele, il est très flatté de ses raisonnements. Comment il fait? Où est-ce qu'il puise tous ces éléments-là, ces raisonnements, ces analyses, hein? Tout n'est l'habitude dans nous. Donc, Elekelanga, toujours à chaque fois que vous postez une interview dans le website congodialogue.com, je suis toujours là pour vous suivre. Est-ce que vous pouvez répondre à M. Massoudi qui nous suit? Massoudi, bonsoir. Bonjour ou bon après-midi. Ça dépend, comme on le dit communément, de l'heure à laquelle vous nous suivez. Bon, je suis un chercheur, autodidacte indépendant. Je lis beaucoup. Et j'observe beaucoup et j'analyse beaucoup. Je ne peux pas vous dire qu'il y a des gens qui viennent me souffler à l'oreille ou des dieux qui viennent me parler. J'observe, j'ai suivi une certaine formation. Et au-delà de ça, je suis passionné de la politique et passionné de notre pays. Voilà tout ce que je peux vous dire. Ce n'est pas sorcier, comme on le dit. Voilà, ce n'est pas sorcier. Donc, je crois que vous avez reçu votre réponse, M. Massoudi. Il y a aussi M. Cyril qui est à Paris, qui nous suit aussi vraiment de près. À chaque fois que nous postons une émission dans notre website, ils nous suivent. Et c'est lui d'ailleurs qui me renvoie ça dans le WhatsApp pour me dire « c'est excellent ». Et il souhaite que prochainement, que nous puissions avoir des live interviews with Skype. Je lui ai dit, bon, on va s'arranger si ça sera possible. Or else, vous faites l'email de vos questions, vos préoccupations. Je vais imprimer cela. Et à chaque fois que nous aurons une prochaine émission, je vais amener les questions chez M. Kilele. De un, il n'y a pas de conflit entre ou parmi ces trois entités. Donc, la CINCO, le groupement de bandits clergés, des évêques, le soi-disant rassemblement, un héritage d'Étienne Tshisekedi et les gouvernements d'occupation qui est au Congo. Il n'y a pas de conflit, c'est une seule personne. Ce sont des complices, ce sont des conspirateurs contre le peuple congolais. Vous connaissez la conférence de l'île de Gorée au Sénégal. Nous n'allons pas y rentrer tellement. Vous connaissez la convocation de la conférence à Genval, ce qu'on appelle Genval, et ailleurs. Et puis, tu sais que dit, feu, tu sais que dit, est sorti ragaillardi dans cette histoire, où il aurait écrit une lettre selon laquelle il aurait nommé quelqu'un qui serait premier ministre. Il y a eu l'accord de la Saint-Sylvestre de décembre de l'année passée, de connivence avec les évêques du Congo. Pour ne pas me répéter, dans l'interview précédente, nous avons dit que les évêques n'ont jamais été mandatés par aucune commission, ni le Parlement, qui n'est pas le nôtre d'ailleurs, parce que c'est un Parlement d'occupation, ni le Sénat, ni par un référendum populaire. Les évêques, les églises, la religion à travers le monde s'est emparée du chapeau moral pour apprendre la morale à tout le monde et se représenter comme étant des saints qui connaissent tout et qui causent avec Dieu. Ils se disent même représentants de Dieu parce que
quand vous lisez sur la calotte du chapeau du pape, c'est écrit là-bas, représentant des fils de Dieu. Quand vous lisez sur la calotte du pape. Bon, voilà déjà un symbole du détournement du destin du monde. Quand les gens se disent qu'ils causent avec Dieu et que Dieu leur donne le pouvoir de pouvoir conduire une population, nous d'abord la population qu'ils appellent des moutons. Parce que Jésus-Christ, on leur présente toujours en dessin, prenant un agneau. Et il est berger. L'agneau représente la population. Et nous connaissons que parmi tous les animaux, les moutons, c'est le plus sot de tous les animaux. Les moutons. Jésus-Christ ne pouvait pas être représenté avec un lion, moins encore avec un serpent, parce qu'ils savent que les lions, les serpents, les léopards, ce sont des animaux dangereux. Alors, on représente les êtres humains avec l'agneau parce qu'ils nous disent que nous sommes des imbéciles. C'est la même chose avec la Cinco au Congo. Ils n'ont jamais été mandatés. Ce sont ces gens qui sont des sapeurs-pompiers, comme on l'a dit la fois passée. Chaque fois quand la population veut se soulever, ils viennent pulvériser de l'eau afin que le feu puisse s'éteindre. Vous avez vu, les conflits, c'est quoi? Tu sais que Dieu aurait nommé quelqu'un. Je présume que c'était mon frère, l'ingénieur là, comment il s'appelle encore? Le secrétaire, celui qui était le secrétaire général avant Kabound. Il y avait un type de Kivu, j'ignore encore son nom, qui était allé voir Kabila et qu'on a accusé d'être corrompu. Moubaké, Valentin Moubaké. Valentin prétend que celui que Tshisekedi dit aurait nommé dans sa lettre que lui serait premier ministre. Du coup, on a vu son fils qu'on ne connaissait pas apparaître. Lui réclame être l'héritier du legs de son père. CongoDialogue.com. Tshisekedi aurait présenté la lettre à son complice Hippolyte Kajambere Kanambe, l'ex-président du Congo. Et que Hippolyte Kajambere Kanambe devrait nommer celui dont le nom figurait dans la lettre. Celui de peste qui doit dire à la population congolaise. Celui dont le nom était mentionné dans la lettre. Afin qu'il soit nommé premier ministre. Mais à part ça, les mots de Tshisekedi, ce n'est pas les mots ou la lettre qu'on doit suivre. Le Congo ne lui appartient pas. Ce n'est pas sa parcelle. Le conflit alors, c'est quoi? L'accord ou les accords de Saint-Sylvestre, s'était mis d'accord avec les soi-disant gouvernements d'occupation, parce que Kabila avait demandé qu'on lui présente l'IDPS, que l'opposition, le rassemblement, lui présente un premier ministre qu'il devait nommer. Mais il n'y a pas d'insulte que ça, quelqu'un dont le mandat est terminé, qui se met à nommer quelqu'un, un premier ministre qui doit présider aux destinées de tout un peuple. Et nous avons des politiciens qui veulent se faire nommer par quelqu'un qui n'est plus président. Vous voyez maintenant comment il y a une complicité entre la Cinco qui avalise par les accords de la Saint-Sylvestre le pouvoir de quelqu'un qui viole la Constitution, qui n'est plus président, mais qui se met d'accord avec lui, voilà. Nous acceptons, le rassemblement va te donner un président, un premier ministre. Entre-temps, Hippolyte Kagame Kanambe et sa majorité jouent la carte. Tshisekedi vient de mourir.
son fils que nous ne connaissons pas se prétend être l'héritier. Valentin, courageusement, il va voir Hippolyte Kagame Kanembe. Bon, Kanembe s'est dit, bon, comme ils se battent, j'ai choisi celui que j'ai infiltré dans les DPS. C'est Bruno Tshibala. C'était son pion qu'il avait infiltré là-bas. Pour le récompenser, il est nommé Premier ministre. J'ai dit la fois passée que sa nomination ne vient pas au hasard. Donc, il n'y a pas tellement de conflits. Et quand aujourd'hui, la CENCO en appelle au soulèvement populaire, je dirais même que c'est un plagiat d'autres groupements politiques tels que la PARECO de mon compatriote que j'aime beaucoup, Mbanda, comme nous, parce que j'en avais parlé après San City, et ça peut se retrouver dans mes anciennes interviews où j'avais parlé de la résistance armée, la lutte armée. C'est une autre façon de parler de soulèvement populaire. Le PNC a toujours parlé de la lutte armée pour déboulonner le gouvernement en place. Donc, la CENCO ne fait que plager et elle voudrait envoyer la population à la mort. Parce que c'est elle qui a avalisé le glissement, c'est elle qui a avalisé la continuité qu'ils mettent dans l'euphémisme des glissements, la continuité du pouvoir d'occupation au Congo. C'est la CENCO, c'est ce qu'on appelle le rassemblement. Ce sont ces deux groupements qui sont des complices du gouvernement d'occupation. Donc, il n'y a pas vraiment un conflit. Il y a une bonne coopération. Parce que en allant discuter dans cette salle, je suis sûr que les évêques de la CENCO, chacun a perçu le Père Diem. Il ne travaille pas pour rien. Le Père Diem provenait d'où? Ça provenait du gouvernement d'occupation. Parce que il travaillait de connivence afin de pouvoir maintenir ce gouvernement et que, se couvrant de la tunique de la bonne morale, la population croit en eux que les évêques ne peuvent pas commettre d'erreur. Ce sont des représentants de Dieu. Pourtant, ce sont des bandits qui représentent le Vatican chez nous. Ce sont des gens qui ne souffrent pas comme nous. Alors la population congolaise ne doit pas se jeter dans la rue si elle n'a pas des armes, si elle n'est pas armée. Ça sera le sacrifice de la CENCO et le sacrifice rituel de Vatican. Parce que le Vatican, depuis longtemps, l'Église catholique tuait les gens. Aujourd'hui, nous connaissons le terrorisme des musulmans. Les musulmans ne réagissent que contre ce que les catholiques faisaient à l'époque. Il y avait la punition de l'Inquisition dans les siècles passés. Tout celui qui ne croyait pas en Dieu, l'Église catholique les tuait, les brûlait au bûcher, les pendait. C'est aujourd'hui que l'Église catholique se calme un peu. Alors, les musulmans ont pris la relève pour être plus ouverts et plus méchants en égorgeant les gens en direct à la télévision. C'est ce que les catholiques faisaient. Donc, et les catholiques qui incarnent le christianisme, et le judaïsme, et l'islam, toutes ces religions, ce sont des religions qui sont dirigées par des terroristes, des bandits et des tueurs de gens. CongoDialogue.com. C'est nous-mêmes qui devrons tout faire. J'évite le terme de nous prendre en charge. Nous devons nous-mêmes lutter contre la CENCO, déboulonner les pouvoirs en place, effacer l'élite politicienne corrompue. Je me rappelle avec des images, on a suivi au niveau de la média internationale que la CENCO s'est dit Toko cannabis sollicité, Tomoni Toko Kako résoudre les situations à Congo. Et curieusement, la CENCO aujourd'hui vient encore pour dire non. Elle lance une interpellation à la population congolaise que non, vous devriez maintenant respecter l'article 64. Comment expliquer cela?
hein, en tant que parent, en tant que médiateur, tu dis tes hommes dans ma cambo te résout dans mon société. Bino Morobo se prendre en charge. C'est une contradiction. C'est une traîtrise de notre pays de la part de ceux-là qui se disent l'incarnation de la morale. Et ça revient à ce que j'ai dit. Ils n'ont jamais été mandatés pour négocier à la crise. Nous n'avons pas la crise démocratique au Congo. Nous avons la crise d'occupation. Le pays est occupé. Et la CENCO connaît ça. Et le Vatican connaît ça. Et l'Amérique, la Belgique, la France, l'Angleterre, tous les pays qui pillent le pays, qui pillent notre pays, ils connaissent très bien que ce n'est pas une question de démocratie. Nous n'avons pas besoin de l'occupation au Congo. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, quand la France a été occupée, et certains pays européens par l'Allemagne de Hitler, qu'on nous dise quel pays qui avait organisé les élections. Est-ce que la France avait organisé des élections? La France était occupée? La France n'avait jamais organisé des élections? L'exception dans l'époque moderne, c'est en Irak, où les Américains ont imposé les élections après l'assassinat de Saddam Hussein. Mais qu'on nous dise, prenons l'exemple de l'Europe qui se prend pour modèle de démocratie et tout, qu'on nous dise quel pays qui a organisé les élections pendant la guerre. Donc, les élections au Congo, le dénombrement de la population, les négociations, le dialogue ne sont pas une priorité au Congo. La priorité, c'est le déboulonnage et la décapitation. Je parle de décapiter, tuer, couper les têtes des occupants et de leurs collabos au pays. C'est ce qui est prioritaire, pas autre chose. Maintenant, M. Kilel, pour que nous puissions jumper dans une autre préoccupation, notre point du jour, qu'est-ce que la population doit faire en aimant, en voyant la situation comme ça va maintenant? Et concrètement, pratiquement, qu'est-ce que la population doit faire? Je répondais à la question. La population congolaise a toujours été une population courageuse et elle a toujours été découragée par les églises, les pasteurs, etc. La population doit se défendre. Je ne parle pas de se prendre en charge. C'est tellement euphémistique. La population doit s'attaquer aux institutions, si les institutions existent. Nous devons brûler le Parlement. Nous devons nous attaquer au Sénat, brûler le Sénat. Nous devons nous attaquer à l'élite politicienne, entrer dans leur maison et les tuer. Nous devons nous attaquer aux églises, parce que ce sont ces organisations qui nous distraient. Ces gens ne sont pas de notre côté. Et nous, nous sommes les Bantous, nous sommes les Congolais. L'église catholique, c'est l'église qui y a aidé la colonisation à pouvoir nous occuper et nous maintenir dans la situation actuelle, la situation de naïveté, la situation de paresse, de fainéantise, la situation de clémence. Nous ne devons pas être cléments vis-à-vis des gens qui nous font du mal. La Bible que vous lisez, que nous lisons, est claire. Œil pour œil, dent pour dent. Nous devons appliquer la loi d'Italie. Si la Bible à laquelle vous croyez reconnaît la légitime défense, parce que œil pour œil, dent pour dent, c'est une expression de légitime défense. Et donc, c'est reconnu par le Dieu que vous priez, par Jésus-Christ que vous honorez, que vous priez, c'est reconnu dans la Bible. On n'a pas à attendre l'appel de la CENCO. Les gens de la CENCO, ce sont des corrompus. Ce sont des gens qui touchent l'argent. Ce sont des gens qui ont des salaires. Ce sont des gens qui ont des femmes. Ce sont des gens qui ont des enfants. Ce sont des gens qui sont irresponsables, qui engrossent les femmes et qui ne s'occupent pas des femmes qu'ils ont engrossées. L'exemple, c'est ce qui est dans la Bible.
Le Saint-Esprit vient la nuit, il rampe, il va rencontrer Marie dans son lit avec son mari. Qu'on dit qu'il était vieux, Joseph. Peut-être ils veulent dire que les pénis de Jésus ne marchaient pas, de Joseph ne marchaient pas. Alors, le Saint-Esprit est venu, il a rampé et il est allé violer la femme de quelqu'un. Et on vous dit, il était envoyé, c'est l'Esprit de Dieu qui était venu engrosser Marie. Comment l'Esprit de Dieu est venu engrosser la femme de quelqu'un? Comment ça? Il est venu engrosser la femme de quelqu'un qui dort avec son mari dans les lits. Et après avoir engrossé Marie, le Saint-Esprit a disparu. Il ne s'est jamais occupé d'élever l'enfant Jésus. Marie s'est battue elle-même avec son vieillard de mari, soi-disant Joseph, pour élever l'enfant qui deviendra la superstar aujourd'hui que vous honorez. C'est le même comportement avec les évêques. Ils engrossent les femmes, ils violent les femmes. Et après cela, ils ne viennent pas dire à la population que c'est moi qui suis le mari de cette femme. Alors, comment voulez-vous croire aux gens qui sont hypocrites et irresponsables? Des gens qui sont des violeurs de femmes à travers le monde. Il n'y a pas que moi seul qui le dis, c'est dans les journaux, c'est documenté. Et il y a aujourd'hui des enfants à travers le monde qui cherchent leur père, leur mère, qui sont sortis du Vatican. Alors, comment pouvez-vous avoir confiance à une bande de violeurs de femmes, des violeurs de nos mamans, des violeurs de nos sœurs et de nos enfants? Ils créent des femmes légionnaires, femmes ceci et cela, alors que ce sont leurs propres femmes. Ils désignent une sorte d'accoutrement, alors que ce sont des femmes qui ont les sentiments comme tout le monde. Dans cette interview, nous vous montrons une fête d'une sœur en Christ qui fêtait ses 30 ou 35 ans, mais c'est une femme comme toute autre. Donc, la population congolaise doit se révolter, prendre des armes, attaquer les Rwandais, attaquer l'élite politique, attaquer le Parlement, brûler le Parlement, brûler le Sénat, s'attaquer aux ministres, brûler la Cinco, les églises, et on verra ce qui va arriver. Ils attendaient quoi depuis tout ce temps? Ils ne sont pas différents de Tshisekedi. Étienne Tshisekedi qui avait l'habitude de dire aux gens, il faut manifester pacifiquement. Comment vous allez manifester pacifiquement devant quelqu'un qui vous violente? Comment? Vous allez, quelqu'un qui vous gifle et vous donne l'autre gifle et vous dites donc grâce à Dieu. Mais c'est quoi ça? Ça ne peut pas passer. Si vous voulez encore soutenir ce qu'il a dit avec vos SMS, abonnez-vous dans notre YouTube Congo Dialogue et allez dans notre Facebook page Josué Boloa. Merci. J'espère que le caméraman jouera dans cette vidéo la chanson de notre feu compatriote, le grand musicien classique, Luambo Lokangalwa Jopene, Franco. La chanson intitulée « Candidat Nabiso Mobutu ». Pour ceux qui n'aiment pas Mobutu, on peut effacer le nom de Mobutu et qu'on remplace le nom de Mobutu par « Congolais » ou « Bana Congo ». Une ou deux phrases ou deux mots, mais en fait toute la chanson, oublions que c'était une propagande démagogique de Mobutu. Mais prenons l'objet d'art comme il est. Comme Luambo l'a chanté. Quelque part, il dit ceci. Comité central, Bokeba Nabandoki, Etumba Nabandoki, Esilite. C'est profond. Il dit, peuple congolais, Bokeba Nabandoki, Etumba Nabandoki, Esilite. Etumba Nabandoki, Esili Nanote. Paix et aussi la terre. L'après Kabila, pour que Etumba Nabandoki est si là, voici ce que votre compatriote Kinele, voici ce que le Parti National Congolais propose. Congodialogue.com. Vous savez, nous avons souffert de la dictature de Mobutu, c'est ce que nous disons à 99%. Quand l'AFDEL entrait,
et que Kabila, Laurent Désiré Kabila, avait pris le pouvoir, nous nous sommes trompés quelque part. Et c'est le mal du noir. Le mal du noir, c'est de ne pas être capable de prévoir l'avenir. Le noir, c'est réellement le carpe diemiste. C'est quelqu'un qui vit au jour le jour. C'est une insulte, hein, mais que cela nous réveille. Nous vivons au jour le jour. Pendant que les blancs, soi-disant les blancs, les occidentaux et les autres, ont des instituts, des institutions de recherche où les gens passent le temps en train de raisonner sur le futur, sur l'avenir. Et quand ils sortent un concept, nous nous rappons cela sans savoir où tu appuies. Quand la mondialisation est sortie, tous les Congolais, les ministres, les universitaires, les professeurs ont commencé à parler. Nous sommes beaucoup pendant la mondialisation. Vous savez, c'est le village global. C'était hein? Global village. C'est la mondialisation. Mais ils n'ont pas compris ce que c'est la mondialisation. Ils ne comprennent pas et ils ne veulent pas comprendre. Et ils utilisent ça abusivement. La mondialisation. Vous connaissez ça provient d'où? Oh, la démocratie. Le Congo doit être démocratique. Vous connaissez la démocratie sort d'où? Est-ce que l'Europe a été développée par la démocratie? Est-ce que l'Amérique a été développée? On en a parlé dans l'interview. Est-ce que l'Amérique a été développée par la démocratie? La Russie, qui fait trembler le monde aujourd'hui avec la Chine, ont-elles été développées par la démocratie? La Chine a fait 41 ans d'autarcie. La porte est fermée. Sortie de l'autarcie après la mort de Mao, vous avez affaire, comme je l'ai dit la fois passée, à un monstre. C'est une superpuissance qui fait trembler l'Amérique et les autres puissance au monde. La Russie, avec toute une série de dictateurs, Staline, Lénine, etc., Brejnev, tout ce que vous pouvez vous rappeler. Mais la Russie, c'est une superpuissance qui fait trembler le monde. Est-ce qu'elle était démocratique? Elle n'a jamais été démocratique. Elle n'est pas sortie des nerfs, bien sûr. Oui, elle n'a pas été démocratique. Elle a été dictatoriale pour faire travailler les gens tout en défendant le pays. Comme je l'ai dit la fois passée, je ne fais pas l'apologie de la dictature. Mais une dictature constructive, que cela vous fasse mal ou pas, les gens diront il n'y a pas une dictature constructive. Mais là, il y a des dictatures qui ont construit, qui ont défendu leur pays, là où ils sont aujourd'hui. Je disais donc, nous avons été naïfs, nous n'avons pas été capables de prévoir l'après Mobutu. Et puis nous avons été naïfs, nous avons été aveugles. Oh mon Dieu, Mobutu est mort. Mais Mobutu nous a dit quelque chose, nous n'avons pas été attentifs. Mobutu a dit ceci. Et Étienne Tshisekedi dit, et la marmaille des UTPCiens et des soi-disant opposants qui étaient contre Mobutu, c'était mis à critiquer et insulter Mobutu. Mobutu avait dit ceci. Après moi, c'est le déluge. Mais très chers compatriotes, pouvez-vous contredire ce que Mobutu avait dit? Pouvez-vous prouver le contraire? Mobutu a dit, après moi, c'est l'inondation. Est-ce que tout ça est l'inondation? Mais Mobutu nous avait averti qu'après moi, c'est l'inondation. C'est plus que l'inondation. Il y a Noé, il y a Bible. Il y a Bible, c'est que sont 40 jours et 40 nuits. Il y a Bible 20 ans, c'est quoi? Bon, c'est quoi? Mobutu, c'est un dictateur. Mais il nous a prévu qu'après moi, c'est le déluge. Mais c'est le déluge. Vous nous parlez de la démocratie. Où sommes-nous avec la sécheresse de la démocratie? Rien. Il y a le déluge. Parce que nous n'avons pas compris ce que Mobutu avait dit, parce que nous n'avons pas prévu le futur, comment gérer l'après Mobutu. Je n'ai rien oublié. Et aujourd'hui, comme il y a une lueur d'espoir qui se pointe à l'horizon, une lueur d'espoir. Je ne dis pas que Kabila, soi-disant Kabila, Hippolyte Kajabel et Kanamba, est partant. Je ne dis pas ça. Nous avons toujours cet enthousiasme pendant 20 ans à Kokende. L'Européen, Balingué, les sous-terres. Bientôt à Kokende. Mais ça fait 20 ans, il est là. Et il met des mécanismes sur place pour faire encore 30 ans.
Mais comme je le dis, il y a une lueur d'espoir qui se pointe à l'horizon, qu'il partirait. Mes très chers compatriotes, mes très chers bien-aimés compatriotes, si il arrivait que ce Rwandais partait, quel institut de recherche avons-nous? Quel groupe de recherche avons-nous? Quel mécanisme, quelle solution, quelles mesures avons-nous mis en place pour qu'un jour nous disions plus jamais ça? Pour qu'un jour nous disions plus et plus jamais ça. Il n'y a aucune mesure de sécurité. Nous sommes dans les danses, nous sommes dans la musique, nous inventons des danses tous les jours, c'est pas mal. Fimbo, Fimbo, Mpunda, Mpunda, et ceci et cela, nous inventons des danses tous les jours. Nous n'inventons pas de mesures de prévoyance pour gérer notre pays. Et c'est là où proviendra la balkanisation du pays, non seulement par l'envahisseur de l'extérieur, même entre nous-mêmes. J'en avais déjà parlé une fois, où les gens en auront marre de cette élite musicienne politicaïeuse nichée à Kinshasa qui ne voit pas ce qui se passe, la souffrance des gens dans les milieux ruraux, dans les provinces, et qui croient que le Congo n'est détenu que par eux et seulement par eux. Nous n'avons pas mis et nous ne mettons pas de mesures de la gestion de la chose. Nous venons, professeurs d'université, constitutionnalistes, docteurs en droit, avocats, juges, ingénieurs, moi j'ai étudié à Bruxelles, j'ai étudié à l'université libre de moi je viens de la Sorbonne, hein. Vous savez, moi je suis général de Saint-Cyr. On n'a pas besoin de vos diplômes. On a besoin de la gestion de la chose publique. Et quand nous allons à l'école, ce n'est pas seulement, comme je l'ai dit plusieurs fois, nous emparer des diplômes, on revient des universités bardées de diplômes, alors qu'on est immoral, alors qu'on est voleur, alors qu'on est menteur, alors qu'on est malhonnête, alors qu'on ne peut pas créer le bonheur collectif, alors qu'on n'est pas solidaire, alors qu'on ne peut pas partager avec les autres, alors qu'on ne peut pas se sacrifier comme Lumumba, comme Tchebeya, comme Arma Tungulu. On ne peut pas se sacrifier comme les militaires congolais qui sont tués au jour le jour. On ne peut pas se sacrifier. Alors, le Parti national congolais amène les solutions suivantes. De un, le Congolais, suivez-moi. Nous devons créer une commission à l'exemple de ce qu'aurait été la conférence nationale souveraine qui avait été sabotée par les supporters d'Étienne Tshisekedi. Nous avons besoin d'un groupe de gens nationalistes. De un, on doit interdire à tout le monde qui a travaillé avec ce gouvernement d'occupation, avec Mobutu, pas tous, hein, mais tous ceux-là qui étaient, tous ceux-là qui ont trahi le peuple congolais, parce que parmi ceux qui ont travaillé avec Mobutu, il y avait des gens normaux. Mais tous ceux-là qui ont travaillé avec le gouvernement d'occupation, une interdiction formelle de ne plus exercer la profession de politicien au pays. Vous me suivez? Quelqu'un qui a été parlementaire, sénateur, ministre, PDG, fini avec eux. Et nous devons répertorier et leurs noms doivent être mis en gazette de la nation. Donc on doit gazetter leurs noms. Ça doit être publié dans les gazettes, ça signifie le journal officiel de la République. On doit publier leurs noms. S'ils veulent travailler en tant que businessmen, pas de problème. Ou businesswomen, pas de problème. Mais
être encore travailleur de l'État, pas question. Mesure numéro 1. Numéro 2. Tous ceux-là qui ont pillé le pays, qui ont trahi le pays, tels que Mende Omalanga, tous ces premiers ministres qui étaient là avec le gouvernement d'occupation, tous ceux-là qui ont volé l'argent, nous leur demandons de venir réinvestir cet argent au pays. Mesure de clémence, ils doivent créer des emplois pour le peuple congolais s'ils veulent rentrer au pays et mourir au pays. Et accepter qu'il y ait des auditeurs de l'État, comme comptable, je vais dire, afin de pouvoir faire l'audit de la façon dont ils gèrent leur société. Au cas où ils ne veulent pas rentrer au pays et ramener tout l'argent qu'ils ont volé, ils doivent être bannis au pays et on doit leur enlever la citoyenneté congolaise. C'est dur, je sais, mais on doit le faire parce que ce sont des criminels. 3. Tout pays où ils auront pris l'exil, qui les loge, qui les accueille avec tout cet argent qu'ils ont volé ou la traîtrise contre les pays, nous devons interrompre, pour utiliser un terme vulgaire, couper les relations diplomatiques avec ces pays. Tout en leur demandant, nous avons besoin d'extrader cette personne pour venir devant la justice. Ce n'est pas pour être tué. La personne doit être jugée et elle doit avoir droit aux avocats pour le défendre, mais il doit rentrer au pays pour être jugé pour les crimes commis contre le pays et la traîtrise. Et si ce pays ne veut pas extrader cette personne, nous devons couper les relations diplomatiques, économiques, etc. avec ce pays. 4. Il y a eu trop de contrats léonins signés depuis l'époque de Mobutu jusqu'à aujourd'hui. Où les ministres qui sont nommés, ils sont là pendant 3 mois, ils touchent 10%, 15%, 35%. Après 3 mois, 5 mois ou 1 an, Balongo Libango, mais parce que c'est sa signature qui a été là-bas, il continue toujours à toucher l'argent au détriment de la nation, au détriment de la population. Nous devons créer une commission d'études et de révision de tous les contrats signés et que cela aille au bénéfice du pays, la République démocratique du Congo. Tout ce ministre ou n'importe qui PDG qui aura signé des contrats léonais au travers lesquels ils ont bénéficié doivent être jugés, arrêtés et rembourser l'argent s'il y a possibilité de pouvoir récupérer cet argent encore. Ils doivent subir des peines d'emprisonnement allant de 15 à 20 à 30 ans. Ils doivent subir la servitude pénale dans des prisons. 5. C'est un exemple que je donne sur l'Europe. Mes très chers compatriotes, l'Europe a été sous la botte d'Adolf Hitler. Malgré tout ce qu'on dit contre Hitler, les nazis ont développé l'Allemagne pendant ces années là-bas. Je ne veux pas y entrer, ce n'est pas le sujet du jour. Malheureusement, le régime d'occupation et d'exception chez nous n'a rien développé. Ce sont des voleurs, des mendiants, des gens émanant des pays pauvres. La Tanzanie, le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, ce sont des pays pauvres. Ils n'ont rien développé chez nous. Je voulais donc parler de l'Europe. Pendant 4-5 ans, lors de la Deuxième Guerre mondiale, la France a été sous l'occupation, sous la botte d'Hitler. Donc, il y avait un dirigeant qui s'appelait le maréchal Pétain, que vous connaissez, qui était le héros de la Première Guerre mondiale en Europe. Et la France avait eu confiance en lui qu'il pouvait toujours continuer
à présider aux destinées de la population française et de la France. Mais avec le temps, les gens ont remarqué que le maréchal Pétain et ses copains avaient trahi la France. Ils ont été vomis par les Français après qu'ils aient découvert sa collaboration avec les occupants, les envahisseurs allemands. On les a vomis. Mais on a vu lors de la chute de l'Allemagne devant l'attaque coalisée des Alliés, quand les Allemands commençaient à rentrer chez eux, fuyant, mais les Français les ramassaient comme des crapauds, comme des crabes, et les tuaient, traversant la frontière. En Allemagne, après la victoire des Alliés, on avait institué un tribunal dans la ville que j'ai visitée, à Nuremberg, en Allemagne. Sur place, après jugement, tous les collaborateurs d'Hitler avaient été appréhendés et exécutés. Dites-moi, très chers compatriotes, vous qui aimez l'argent, vous qui êtes corrompus, vous qui voulez vous réjouir au détriment de la majorité que nous sommes, ces exemples ne vous aident pas? Que nous avons un régime similaire, un régime d'occupation, comme le régime nazi qui a occupé l'Allemagne, qui a occupé la France, la Belgique, un peu l'Angleterre, la Pologne et d'autres pays de l'Europe de l'Est, la Yougoslavie, etc. Et que ces gens, avec l'appui des Alliés, ont puni le malfrat et le malfaiteur. Ce que nous devons faire, tous ceux-là qui ont collaboré avec le régime actuel, le régime d'exception, le régime d'occupation, nous devons les juger et les exécuter comme on a exécuté les nazis lors du tribunal de Nuremberg. Si nous ne le faisons pas, mon cher compatriote journaliste, mon cher cameraman, mon cher jeune frère Fabricus, le Congo ne changera pas. CongoDialogue.com. Si nous ne prenons pas de mesures punitives contre les malfaiteurs, nous devons cesser la clémence catholique, nous devons cesser la clémence chrétienne, nous devons cesser la clémence religieuse. Parce que les religieux ne sont pas cléments, les religieux ne sont pas tolérants avec ce que la seconde fait. Ce sont des gens qui portent les gants avec un couteau dedans. Et nous devons faire un effort pour ne pas porter ces gants et sortir notre couteau pour prouver que nous devons défendre la patrie. Lumumba disait, la patrie ou la mort. Et cela, il a été emboîté le pas par Thomas Sankara de Burkina Faso. C'est la patrie ou la mort. Même si ces gens sont nos frères, nos sœurs, nos cousines, ton frère a fait du mal contre les Congos. Les Congos, c'est notre bien propre. C'est notre patrimoine. Celui qui veut tuer et qui a voulu tuer le Congo, nous devons le tuer. Et c'est le langage, et ce sont les mesures, le langage que nous devons parler et les mesures que nous devons prendre. Nous ne devons pas y aller copier l'exemple de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud a institué la commission de réconciliation et je ne sais pas de quoi. Mais c'est de la bouillabaisse. Après qu'on ait jugé les gens à la télévision, on a commencé à donner un peu de l'argent, 2 000, 3 000 dollars aux victimes. Et les criminels, certains ont été mis en prison et d'autres courent encore, on a toléré. Mais c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, l'Afrique du Sud demeure la capitale mondiale du crime, qu'on le veuille ou pas, parce qu'il n'y a pas eu de mesures punitives. Au Congo, nous devons punir le malfaiteur. Mais dis donc, le pétrole est produit à Moanda. Qui empoche les dividendes de pétrole de Moanda depuis Mobutu? Qui empoche le pétrole de Cabinda? Qui empoche le pétrole de Kaemba depuis tout ce temps? Ce sont toujours les Congolais. Qui empoche l'argent de l'électricité payée par Congo Brazzaville pour l'électricité du Congo, du barrage de Nzanga, du voyage de Inga?
qui empoche l'argent de barrage de la Ruzizi que payent les Burundis et le Rwanda? Qui empoche cet argent? Ce sont toujours les Congolais. Monsieur Mende Omalanga a une société de des sociétés de pétrole qu'il a installée au Congo-Brazzaville et ailleurs. Pétrole Ozoko Utawapi. Comment se fait-il que nous devons commencer à tolérer des bandits comme ça qui nous gouvernent et nous continuons à les garder? Je vous ai donné quelques mesures qu'il faut mettre en place. La conférence nationale avait capoté, d'une part parce que nous n'étions pas intransigeants. Nous devons punir les gens. Sixième mesure, le soi-disant intellectuel, professeur d'université, docteur en droit, docteur en ceci, les professeurs d'université, les constitutionnalistes, les légalistes, les hommes de droit, ils savent ça très bien. Mais ce sont les premiers traîtres, ces gens-là. Et nous allons continuer à donner nos enfants à ces gens qui leur enseignent quoi? Je l'ai dit plus d'une fois, nous n'allons pas à l'école pour seulement arracher les diplômes. Nous allons à l'école pour apprendre certaines valeurs humaines. L'honnêteté, la personnalité, la fidélité, le patriotisme, le travail assidu, etc. Il y a beaucoup de valeurs morales que la Senko ne peut pas nous apprendre, que nos ancêtres nous apprennent avant qu'eux n'amènent leurs accoutrements de pédophilie pour coucher nos filles et violer nos femmes. Nous allons à l'école pour apprendre de valeurs, afin que nous puissions vivre dans la cohésion. Mais aujourd'hui, ils veulent chercher à hystériser les erreurs des êtres humains en nous blâmant à tous les jours quand nous allons dans des églises, comme ça la boyauté, comme si eux ne font pas ça. Comme eux ne font pas ça. Alors ils ne sont pas le modèle de la cohésion sociale. Nous ne pouvons donc pas imiter ce qu'ils nous disent. Alors je disais, tout cela, ces professeurs d'université, tout cela qui se disent intellectuels, la sixième mesure est qu'on leur enlève leurs chaires universitaires d'enseignants qui n'enseignent plus dans nos universités. On doit les bannir dans nos écoles, à l'école secondaire, tout comme au niveau tertiaire, qui n'enseigne plus à nos enfants parce qu'ils ne représentent aucun modèle d'intellectualisme. Qu'est-ce qu'ils vont apprendre à nos enfants? Quel modèle ils constituent pour nos enfants, pour la population congolaise, pour l'avenir du Congo? Ce qu'il faudra faire pour protéger le Congo, on doit leur enlever leur chaire universitaire, les bannir à l'université, qui ne donnent plus cours à l'université et qui foutent le camp. Qu'ils aillent danser le Ndombolo, qu'ils aillent danser avec Héritier Watanabe, qu'ils aillent danser le Mpunda, qu'ils aillent là où ils peuvent aller, dans d'autres pays, et non pas au Congo. Et nous devons régénérer l'enseignement avec des hommes épris du patriotisme et de la protection et de la défense de notre pays. Merci beaucoup, Président Kilélé. Je crois que le temps nous manquerait à vous donner plus pour que vous puissiez un peu développer, aller plus en détail chacune de ces points que vous avez énumérés tout à l'heure là. Ça, c'était des propositions, des stratégies. Et là, je vais ajouter quelque chose. Excusez-moi d'être gourmand. Yes. Septième mesure. Les gens disent, il faut to bengana barwande bazonge pena bango. Mes très chers compatriotes, to bengana bango te, to bomba bango, parce que bango bazo bomba biso. Donc boko bengana Ruberwa akende, boko bengana Bisengimana akende, après avoir tué des Congolais, que font les hommes de droit chez nous pour ne pas juger ces gens et maintenir la peine de mort? On doit les exécuter. Donc, septième mesure, tous les Rwandais qui nous occupent, qui sont dans ce gouvernement, nous devons les arrêter, les juger et les exécuter. Et il ne faut même pas attendre le jugement parce que Bazana Mbongo Mingi, Bakozana ba juge les droits de l'homme Koya. Nous devons les exécuter. C'est tout ce qu'il faut faire. Bazonga na Rwanda te. One is expression. Tshisekedi dit, non, les Rwandais doivent rentrer chez eux. Ils ne vont pas.
Est-ce qu'ils ont choisi Rwanda Zaya Bahutu Zaya Bangote Bahutu Bazaba Bantu ne Tibiso Rwanda Zaya Batuti Batuti il faut pas songer en Érythrée il faut pas songer en Éthiopie c'est que Bahuta Rwanda Zaya Bangote tu vois Rwanda na Burundi ezali ya Bantu ezaya biso banoir ezaya Bangote donc oyo basala erreur ya kokota na kati ya Congo avec cette révolution nous devons tuer tous ces gens là qui sont au Congo en commençant par Hippolyte Kagame Kanembe. Huitième mesure, nous devons avoir le droit de poursuite ou nous arroger le droit de poursuite. Ça signifie quoi? Pour ceux qui ont fait le droit, connaissent ce qu'il faut. Nous ne devons pas attendre la Cour pénale internationale. Nous ne devons pas attendre la haie pour juger ceux qui nous ont fait du mal. Oui, nous sommes signataires de l'acte juridique de Rome. Nous connaissons ça. Mais il y a des gens qui enjambent l'accord de Rome. Par exemple, l'État violent d'Israël. Après la Deuxième Guerre mondiale, les Israéliens, soi-disant les Israéliens, parce que les Juifs ne sont pas des Israéliens. C'est autre chose, je vous avais parlé de ça la fois passée. Bon, mais supposons ils sont des Israéliens. Les Israéliens se sont arrogés les droits de poursuite juridique et terroriste au monde. Les nazis qui ont réussi à quitter l'Allemagne et à fuir ailleurs, en Argentine, Chili, Afrique du Sud, partout à travers le monde, les Juifs les ont poursuivis jusqu'au jour d'aujourd'hui. On continue à découvrir les collabos des nazis, même en Allemagne, même en France, qu'on arrête, même s'ils ont 90 ans ou 100 ans, on les amène en justice. Et d'autres, on les amène en Israël, on les pend, on les tue. Et tantôt, j'avais parlé de la cessation des relations diplomatiques avec des pays qui auront accueilli les traîtres et les criminels qui ont agi au Congo. Je vais donc dire que les Congolais, ouvrons les yeux. Makambo est aussi la terre. Partout où ceux-là qui nous ont humiliés, qui nous ont occupés, partiront, nous devons organiser un véritable service d'intelligence comme les Israéliens ont créé la Mossad. Les dépister, les débusquer partout où ils sont, les enlever et les tuer. Soki, Roubaix Roazal, Afrique du Sud, le Congo doit casquer de l'argent pour le poursuivre partout où il va, le démasquer et le tuer. Parce que les nazis avaient commencé à subir des opérations chirurgicales, changer de figure, afin de pouvoir vivre. Tu vois, la vie, elle est belle, la vie. Tout le monde veut vivre. Mais Bango va surtout vivre. Moi, je vais subir opération chirurgicale parce qu'il veut vivre. Mais les bateaux comme bateau, bah, que la vie est belle. Et qu'elle vaut d'être vécue par tout le monde, pauvre ou riche. Nous devons créer un service d'intelligence très fort. Mon très cher compatriote Mbanda, tu es le spécialiste de ça. Créons un service d'intelligence fort pour suivre tous les malfaiteurs, tous les tueurs du peuple congolais partout. Nous les poursuivons avec ou sans collaboration avec les pays d'accueil. Casquons l'argent pour les tuer partout. C'est comme ça, mon très cher compatriote, mes très chers compatriotes, et vous, le téléspectateur, que nous aurons préparé l'après Hippolyte Kagame Kanembe. Ce qui tout ça, l'ingouanate, vous avez les mêmes gens qui vont revenir, vous verrez les mêmes Tshibala, le même Félix Tshisekedi, le même Sami Badibank, qui étaient des frappeurs de banques en Europe. Ce n'était que des frappeurs de banques et des joueurs de cartes dans des cabarets, nous connaissons. Les mêmes vont revenir, ils vont nous truander comme ils nous truandent en ce moment. Et toujours nous allons les applaudir, ceux qui ont une voiture, ceux qui ont une Jeep, et Moutounangaï, oh mon prézo. Mon préso, oh l'honorable, ils sont honorables en quoi? Ces bandes d'arrivistes
de parachutés de la nature honteuse. Ils sont honorables en quoi? Les gens qui ne pensent pas à la souffrance de la population. 9. Nous devons revoir notre système d'éducation. Nous voulons une éducation qui produit un Congolais responsable, un Congolais entrepreneurial, on en a parlé la fois passée, qui soit capable de créer l'emploi pour lui-même, au lieu de toujours espérer que l'État va créer l'emploi pour nous. On le dit communément, l'État est là pour sécuriser, pour créer un environnement décent, afin que l'investissement vienne. Cela est vrai. Ça, ce sont des pouvoirs et des devoirs régaliens de tout un État. Nous voulons une commission d'études pour qu'il y ait plus d'écoles techniques au Congo. Pas aller nous créer des sections littéraires, sections ceci et cela. Nous avons besoin des écoles techniques, des écoles qui vont produire et non pas avoir des mendiants et des spéculateurs comme les hommes de droit, parce qu'il a français Mingi, il a gobé des définitions, il va là-bas, il se dit qu'il est savant. Tu es savant en quoi? Tu sais que Dieu mort, il n'a même pas laissé un article. Il est savant. Il a inventé quoi? Nous avons besoin de maçons, nous avons besoin des électriciens, nous avons besoin de mécaniciens, nous avons besoin des agriculteurs, nous avons besoin des médecins et des infirmiers, nous avons besoin des pharmaciens qui soient capables d'inventer des médicaments, pas des pharmaciens qui sont des vendeurs de comprimés dans les pharmacies des blancs, pas des médecins qui sont là uniquement pour avorter les femmes. C'est tout ce que vous savez, vous n'inventez rien, même pas de livres, vous n'écrivez pas, vous êtes là pour vous vanter devant les femmes qui viennent se dénuder devant vous comme elles se dénudent devant les pasteurs. Ebola, vous n'inventez absolument rien de faux docteur. Voilà. Monsieur le Président national congolais, en vous écoutant, chers téléspectateurs, je crois que j'ai laissé mon micro pendant une vingtaine de minutes pour que monsieur Kilele nous parle après Kabila. Parce que souvent, j'aime quelqu'un qui a dit « We don't need to agonize, but we need to organize. » We always agonize, means we have always complaining. He must go, but we don't have a time to organize ourselves. Cela veut dire, on a souvent le temps, et c'est ce que nous faisons chaque jour, nous nous réveillons, on se rencontre dans un coin donné, vers quartier Wana, na Sabanzete, à Bicarbitus Wana, on a un parlementaire debout, to complain, to lelara lelaka. Mais on aura tenté à s'organiser après Oyo. Suite à cela, il y a un peu mon histoire revient encore. Il y avait Joseph Kasavubu, Aleki Natanae, Lumumbaye Natanae, Mobutu régné pendant une trentaine d'années. Laurent Désiré Kabila est revenu, Aye Natanae, maintenant c'est le président Joseph Kabila, Aye pe Natanae, l'histoire continue. Mais je crois que moi je vais replay again. Je vais revoir ces vidéos, revoir encore pour voir les points, les stratégies qui sont importantes de façon que après RDC Tozokende Wapi. Président national, M. Kilele, grand merci à vous. Mais avant que je puisse vous laisser, si vous avez des commentaires, s'il vous plaît, n'hésitez pas. Hein? Nos numéros sont affichés dans vos petits écrans. Écrivez, postez-nous. Je crois que M. Kilele reviendra encore pour donner plus de détails à chaque fois que vous n'avez pas compris. M. Kilele, on va bientôt vous relâcher. Mais il y a une province, Tebalega. Je crois que vous aspirez à la présence, non seulement provinciale, mais à la présence nationale de la RDC. Et il y a une province qu'on appelle Balera. Je crois que vous aspirez à être ça. Et nous voyons avec l'histoire, actuellement, la RDC sera bientôt divisée. Il y aura un État. Donc, est-ce que vous avez une suggestion là-dessus, un commentaire là-dessus? La province n'existe pas encore. Elle existe dans ma tête. Et je pense que c'est la troisième fois que je réclame ça.
Peut-être un jour, je serai comme l'ancien leader nigérian de l'époque des années 70, qui s'appelait Ojukwu, qui avait déclenché la guerre de Biafra. Et voilà qu'aujourd'hui, ça revient. Hein, et après une cinquantaine d'années, ils réclament leur état. Le Biafra produit du pétrole, mais il n'en bénéficie pas. Après le découpage illégal par un régime d'occupation du Congo soutenu par des Congolais et produisant, je ne sais pas, 26 ou 22 provinces, c'est 26 je pense. Il y a eu une grande entité, excuse-moi, abandonnée en sursis. On ne veut pas en faire écho au pays. C'est la partie d'où je proviens. Moi, je suis Moulega. Mes propos ne sont pas tribalistes. Et je ne veux pas tribaliser le pays. Je pense que la cohésion de toutes les tribus au Congo fonde ce Congo, la grande étendue, le sous-continent qui fait peur à tout le monde, et le sous-continent qui est l'avenir du monde. Donc, je ne suis pas tribaliste, mais je voudrais réclamer quelque chose. Moi, je défends le fédéralisme. Bon, d'autres gens parleront de l'administration décentralisée, largement décentralisée, comme celle qui avait été commencée à l'époque avec le professeur Vundoua et Pemako, à l'époque de Mobutu, et d'autres gens avec Maître Nime Maïkdi Kanengimbi, etc. Bon, ils étaient de fervents défenseurs de ça. Moi, je parle de la fédération comme aux États-Unis, comme en Allemagne. Mais prenons le modèle des États-Unis. J'aime bien ça. Je voudrais que le Congo soit une république fédérale du Congo. Ou si vous voulez, les États-Unis du Congo. Que chaque province devienne un État. Il y en a au Nigeria. Hein. Dans les anciennes, les précédentes interviews, j'en avais parlé. Mais ici, je voudrais parler d'un cas plus précis. De nous, les Balega. Les Balega, c'est la tribu majoritaire, que vous le vouliez ou pas, au Kivu. Les Balega occupent 5 zones, si on doit parler des zones à l'époque de Mobutu. La zone de Chabunda, Mwenga, Walikale, etc. Il y en a 5 que nous occupons. Nous, les Balega. La zone de Chabunda, le territoire de Chabunda, d'où je proviens, d'où je suis né, est 4 fois plus grand que le Rwanda. Le territoire de Chabunda. Tu prends le Rwanda, 1, 2, 3, 4. C'est ça le Rwanda. Le Rwanda, c'est un pays, hein. Et le Rwanda, je ne sais pas combien de préfectures qu'on appelle préfectures de province chez eux. Comment, en découpant les provinces, on n'a pas prévu une province de Balega? Mais que cela soit, parce que c'est nous qui occupons cette surface. C'est le Balega qui occupe les 5 ou les 4 territoires. Donc, que ça soit appelé la province ou l'État fédéral de l'Ulega, c'est normal parce que c'est nous, la tribu, qui occupons ça. Mais comment est-ce qu'on n'a pas pensé à ça? La raison, c'est que les Rwandais ne visent que le Sud Kivu. Comme vous connaissez, ils prennent le Nord Kivu, le Sud Kivu, pour s'y installer. Je demande à tous les Balégas, là où vous vous trouvez, levez-vous pour vous joindre à moi afin de réclamer la province de l'Ulega. À part les Balega, la province de Fizi, là où Laurent Kabila avait vécu pendant sa période de rébellion, est occupée par les Babembe. Les Babembe, ce sont les petits frères dans l'histoire de naissance et de tradition de peuple. Les Babembe sont les petits frères des Balega. Nous parlons à peu près la langue similaire. Vous voyez ça? La province de Balega pouvait s'étendre jusqu'à Fizi, qui est plus près de Burundi, au sud Kivu. Mais comment? Nous n'avons pas une province.
Comment les Balégans n'ont pas une province? Et on va faire des petits découpages par-ci, par-là, et on laisse la grande tribu de guerriers Baléga. Quand vous entendez parler de Maïmaï, ce sont les Babémé, ce sont les Baléga. Et sans doute, il y a d'autres tribus, les Bafuliro, qui sont là-bas. Mais c'est nous, les guerriers. Et c'est ni Tété, les Kivu, les Congos basculeraient dans les Burundi. C'est nous qui faisons échec. Bon, je ne dis pas que cela doit être un cadeau, mais nous le méritons. Nous le méritons. Donc, je demande d'une manière solennelle et que les Balègues, partout où vous vous trouvez, que nous réclamions la création d'une province de Lulega. C'est chez nous. Parce que nous rejetons en bloc le découpage administratif de Rubéroa et de Rwandais effectué pendant cette période d'occupation. S'il faut qu'on décentralise fortement le Congo, ça doit être un parlement des Congolais et non pas un parlement des occupants et des occupés remplis aussi de métis qui n'ont aucun territoire à réclamer sur la terre parce qu'ils n'ont aucun ancêtre en Afrique. C'est comme les Rwandais chez nous au Kivu où Rubéro est allé installer. C'est pas son grand frère pour être chef coutumier. Comment tu vas être chef coutumier dans un territoire où tu n'as pas d'ancêtre? C'est comme les métis n'ont pas d'ancêtre en Afrique. Qui sont leurs ancêtres en Afrique? Quand Katumbi veut devenir président au Congo, qui est son ancêtre au Congo? Hein? Il peut réclamer quelle portion du territoire? Où? Il peut réclamer où? Les métis n'ont pas été créés par Dieu. Voilà. Francine Nguembe, la grande dame, nous sommes presque à la fin de notre intervention, interview avec le président national congolais, n'est-ce pas? Alors, monsieur, qu'il est le président national congolais, a voulu donner ses stratégies, ses propositions. Vous êtes pour ou vous êtes contre, ça c'est votre point de vue. Si vous voulez aussi mettre un commentaire là-dessus, contredire ou ajouter, nos numéros seront affichés dans vos petits écrans. N'hésitez pas à pouvoir nous contacter. Monsieur Kilele, un grand merci pour votre temps. Je crois que vous avez eu tant beaucoup de choses à parler, à s'exprimer aujourd'hui, mais ce n'a pas fini. La prochaine édition, nous aimerions encore vous inviter dans notre plateau. La mort d'une personne, c'est une tragédie pour tout le monde. Parce que moi, je n'adore pas Dieu, je n'adore pas Jésus-Christ, j'adore l'être humain. Ça fait mal, hein? C'est l'être humain qui a transformé la nature. C'est l'être humain qui a inventé les téléphones cellulaires, qui a construit la voiture, qui construit les maisons. C'est l'être humain qui nous donne les médicaments. C'est l'être humain qui produit la nourriture. C'est l'être humain qui nous coule les habits. Donc, je respecte, je valorise l'être humain, surtout qu'il est vis-à-vis de moi. Alors, chaque fois qu'il y a mort d'homme, je meurs tout en étant debout. Donc, ça est l'homme qui était. Nous demandons aux étudiants de ne pas se faire tuer au nom de la Cinco, au nom des rassemblements, comment on appelle ces histoires, de Tshisekedi a laissé. Vous devez vous soulever en tant que patriote, ne pas jurer au nom de ces organisations. Toutes ces organisations, c'est la même personne. C'est comme c'est Hippolyte Kajaber Kanambe, c'est Moïse Katumbi, c'est Félix Tshisekedi, c'est la même, c'est Kamere, c'est la même personne. Bako Sabinoté. Donc, quand vous y allez, quand vous voulez manifester, faites-le par patriotisme et non pas au nom d'une certaine organisation, soit dite défendant. On ne défendra jamais les droits du peuple congolais. Jamais on ne le fera. On nous en veut. Le Congo, c'est une très belle femme que tout le monde veut coucher. Nous devons nous défendre. C'est tout ce que nous sommes. Nous devons tout faire pour nous défendre. Ce n'est pas la Cinco. Ce sont des mendiants, ce sont des gourmands, ce sont des pédophiles. Ce sont des agents de services de sécurité internationaux. Ce genre-là. Faisons-le pour l'amour de nous-mêmes, pour l'amour de nos ancêtres, pour l'amour de nos générations à venir, pour le souvenir de Lumumba, pour le souvenir de Kasavubu, pour le souvenir
du patriote politicien Kimbangu qui n'était pas un chrétien. Il ne faut pas polluer la mémoire de Kimbangu avec la Bible parce que Kimbangu n'a jamais été un chrétien. Il n'était pas ami de Jésus-Christ. Il était un nationaliste congolais comme Nzinga Kouvou. Il n'était pas chrétien pour aller créer des musées inutiles qui n'ont rien à voir avec la mémoire du cher compatriote, le plus grand et le plus vieux prisonnier au monde dont on ne veut pas parler. On parle de Mandela alors que c'est Simon Kimbangu qui a fait plus d'années en prison, 33 ans sous la terre, sans voir le soleil. On ne veut pas en parler. Nous devons le faire pour le sang de Tungulu, pour le sang de Tchebea, pour le sang de tous les Kivus, pour le sang de tous les Congolais qui meurent au jour le jour. Nous devons déboulonner le pouvoir en place afin que nos générations à venir puissent un jour dire que nous nous sommes levés et que nous avons, nous leur avons légué une patrie et non pas demeuré avec des danseurs, des politiciens et des fumeurs de chanvre. Le Congo de Lumumba vivra. CongoDialogue.com. Ça, c'était le message de la fin pour cet épisode venant de monsieur Son Excellence Président National Congo, du Congo, Parti National du Congo, M. Kilele. Moi, je suis à la fin. La conversation va toujours continuer. Je suis Bolo à Facebook, YouTube, Congo Dialogue, website www.congodialogue.com. Si vous avez aimé cette émission, les propos émis dans cette émission engagent que mon invité, qui est le Président National Congolais. Vous avez suivi ses ambitions, ses projets d'avenir concernant la République démocratique du Congo. Grand merci à toute l'équipe technique, Jean-Marie Poupa qui a été à la réalisation. Grand merci aussi à toi, la grande dame Francine Ngembe. Grand merci à vous aussi, président national congolais, monsieur Kilele, pour votre temps. Merci. On est toujours instruit à chaque fois que vous ouvrez la bouche pour défendre la nation congolaise et éclairer les compatriotes qui sont au pays ainsi qu'à la diaspora. On va se retrouver la fois prochaine. Appelez, commentez. Si vous voulez encore, il revient encore. Nous allons encore l'inviter dans notre plateau. S'il y a des sujets que vous n'avez pas, nous n'avons pas encore soulevés, écrivez-nous quand vous avez l'habitude de les faire. Hein, Monsieur Bob aux États-Unis, Papa Cyril en France, et continuez toujours à nous soutenir. Vous aussi, vous pouvez aussi faire partie. Si vous avez aimé cette émission, il y a plein de formations socioculturelles dans notre YouTube channel Congo Dialogue. Grand merci à vous tous. La RDC, vouloir ou pas, sera sauvée et rentrera à son état démocratique. À la fois prochaine, merci, bye. CongoDialogue.com. CongoDialogue.com. Il va l'opérer sans la Francine Ngembe.